C'est un ensemble d'êtres vivants qui interagissent entre eux au sein d'un milieu spécifique. Donc un écosystème est composé nécessairement de deux éléments, le biotope qui désigne l'environnement spécifique et ses caractéristiques propres, comme le climat par exemple, et la biocénose qui représente l'ensemble des êtres vivants. La biodiversité, qu'est-ce que c'est ? C'est la diversité du monde vivant à tous les niveaux. Donc c'est la diversité des milieux, des écosystèmes, la diversité des espèces, la diversité génétique au sein même d'une espèce. Sur le terrain, l'observation de la diversité des espèces est le niveau le plus accessible en fait, hein, parce qu'il relève directement des compétences naturalistes. Interagissent de manière extrêmement importante. Ces interactions sont complexes et interdépendantes. Il y a des interactions entre les arbres, mais ces interactions sont très complexes et difficiles à étudier. En raison de la durée de vie des arbres, par exemple, de leur dimension, mais aussi du fait que nous ne sommes pas vraiment de même nature. Qui est-ce qui sait communiquer avec un arbre? Qui est-ce qui sait interroger un arbre? De mon point de vue, la plupart des sociétés humaines se comportent comme des prédatrices, qui exploitent les ressources de la nature, souvent jusqu'à leur disparition. On en est un témoignage tout à fait évident. Il n'y a qu'à voir le nombre d'espèces qui disparaissent en même temps que les forêts, par exemple. Tout est déséquilibre dans notre territoire. On est sur un territoire qui est extrêmement urbanisé. L'homme est omniprésent. Et de mon point de vue, c'est l'homme qui essaie de maîtriser les équilibres. Et on voit bien que chaque fois qu'il y a un événement imprévu, un orage un peu fort ou des choses comme ça, on ne maîtrise absolument pas les équilibres. Il y a de nombreuses perturbations en milieu forestier et une des perturbations majeures, c'est l'arrivée massive d'insectes exotiques invasifs qui viennent d'Asie ou d'Amérique du Sud ou d'autres régions du monde et qui arrivent chaque année plus nombreuses et pour lesquelles il faut trouver des solutions de lutte puisqu'elles viennent sans leur cortège d'ennemis naturels et donc elles n'ont aucun prédateur ni parasite sur le territoire national et elles font des dégâts phénoménaux dans nos forêts. C'est vrai qu'actuellement, on essaie de trouver des mesures alternatives aux produits chimiques.
Et donc on peut utiliser différents types de méthodes de lutte contre les insectes, et notamment l'utilisation d'auxiliaires. Ça peut être des insectes, qu'ils soient parasites ou prédateurs, ça peut être des champignons, des bactéries, des virus. Donc on peut les développer pour qu'ils soient efficaces pour contrôler des ravageurs, et ensuite qu'ils soient commercialisés et donc utilisés à grande échelle. Donc l'institut de recherche dans lequel je travaille, l'INRA, a mis au point des pièges à chenilles. Donc selon les types de pièges, il y a des buts et des fonctionnements différents. Donc ça permet de réduire la population des chenilles. Et donc il y aura moins de papillons l'année prochaine, donc moins de chenilles sur les arbres l'année d'après. Il ne faut déjà pas différencier nature et humain, de faire une sorte de dichotomie, parce que bon, on fait nous-mêmes partie de la nature, on est interdépendants les uns des autres. On peut avoir un impact néfaste si on l'exploite sans aucune éthique, si on détruit tout sans penser au futur et qu'on n'a pas une vision du bien commun. Mais on peut aussi avoir un impact bénéfique quand il s'agit de restaurer et de maintenir certains milieux. Des humains ou de la forêt, qui est-ce qui est dépendant de l'autre ? Eh ben, la forêt existait bien avant nous. Si les forêts disparaissaient, je crois qu'on serait mal. En tant qu'humain, on manquerait de ressources, hein, on aurait vraiment des problèmes, ne serait-ce que pour accéder à notre oxygène vital. En revanche, si les humains disparaissaient, je peux vous assurer que les forêts progresseraient, mais alors vraiment très très vite et très bien. Les arbres, ils ne sont pas du tout à la même échelle que nous, ils ne sont pas à la même échelle de temps, ils ne sont pas à la même échelle d'espace, ils sont grands, ils sont immenses, ils vont sous la terre, et puis ils ne sont pas de même nature que nous. Leur corps n'est pas du tout construit de la même manière que nous. Est-ce que vous savez, par exemple, que les arbres ont une originalité dans le monde vivant ? C'est qu'ils construisent entièrement leur corps sur de la matière morte. Le cœur du bois, de l'arbre, il est mort. Est-ce que vous trouvez d'autres animaux ou végétaux qui ont ça ? Non. Donc ils ne sont vraiment pas de la même nature que nous. Mais ils ont une chose qui est vraiment formidable, c'est qu'ils sont relativement immobiles. Et du coup, ils sont sous nos yeux, ils sont à notre disposition, et on peut leur rendre visite tout le temps. Ils peuvent nous apprendre des quantités de choses. Un arbre, c'est un écosystème, enfin, j'exagère quand je dis ça, mais c'est presque un écosystème en soi. Dans un arbre, il y a des quantités d'interactions qui ont lieu, avec les oiseaux, avec les insectes, avec l'eau, avec plein d'interactions. Si vous aimez un arbre, si vous l'observez, vous allez apprendre des quantités de choses. J'ai accepté de jouer le jeu, parce que c'est vrai que c'est compliqué de répondre à des questions d'étudiants, et c'est pas simple pour moi. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très très important. Enfin, moi j'attends quelque chose de ce que vous faites. Et je vais peut-être essayer de vous dire ce que j'attends. J'attends, un, que vous soyez persuadé et que vous transmettiez le fait que pour respecter la nature, il faut d'abord la connaître. C'est comme pour aimer. Pour aimer, il faut connaître. Donc, vous allez intervenir dans cette connaissance, vous allez transmettre par vos images, par votre film, vous allez transmettre de la connaissance. Et j'aimerais bien que vous arriviez à transmettre ce message de connaissance et d'amour. Parce que protéger, c'est d'abord connaître et aimer.